on vit ensemble, on dort ensemble dans les mêmes cellules, parfois on est jusqu'à 27, 30 même par cellule. Or, il y a une capacité de 10 personnes, parce qu'il y a 10 lits, donc je suppose qu'il y a une capacité de 10 personnes. Il y a d'autres qui sont obligés de dormir à même le sol. On a aussi des personnes de troisième âge ici, des grandes-mères même qui ne peuvent pas se déplacer. Il y a des mineurs, il y a des bébés, c'est pas normal. Je pense que chaque chose va être clarifiée, chaque chose va être à leur place. Nous sommes majeurs, il y a des mineurs. Chez les garçons, ils ont un bâtiment pour les mineurs. Chez nous, on n'en a pas. Les mineurs et les majeurs sont ensemble. Les mineurs copient sur les majeurs. On n'est pas toutes parfaites. S'il y a tout le temps les querelles, la bagarre, vraiment, je ne sais pas. C'est dur. Il faut être beaucoup courageux, parce que si tu n'es pas courageux là, tu vas faire des trucs ici encore qui vont t'envoyer encore d'autres problèmes. Parce qu'il y a d'autres qui sont ici, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils sont prêts à te mettre encore dans d'autres ennuis pour que tu puisses rester avec eux ici. Et si tu n'es pas fort dans la tête là, tu vas tomber dans le piège. Ici, on est obligé de laver parce qu'à cause des moustiques. Si on n'a pas lavé aujourd'hui, quand demain, on ne peut pas dormir ici vraiment. Même dans les moustiquaires, ils rentrent, ils nous piquent ça, ça peut nous donner la palitis. Puis les bébés, souvent, ils tombent malades, mais il n'y a pas de médicaments, c'est les paracétamol. Tout ce qu'il y a là, c'est le paracétamol, c'est le comprimant qu'on nous donne, on met dans l'eau, on met dans les cuillères, on les donne pour boire. C'est comme ça. Je veux qu'à l'âge de 3 ans, mon enfant s'en va au dehors. Parce qu'à l'âge là, si je lui donne au dehors, je n'ai personne pour le surveiller. Parce qu'il ne marche pas. Donc, il n'y a personne. Donc, je préfère qu'il reste chez moi. À l'âge de 3 ans, je le fais sortir.